Samir Hassani, merci d'accorder cette interview au club Influence de l'école de guerre économique. Vous êtes avocat au barreau de Paris et associé au sein de votre cabinet Cohen Amir Hassani, au sein duquel vous êtes directeur des départements de droit international et de conseil aux États. Par ailleurs, vous publiez régulièrement de nouvelles analyses portant sur les thèmes des relations internationales et de l'actualité géopolitique du Moyen-Orient sur votre blog Éclairage et réflexion. Vous êtes donc reconnu en tant qu'expert en géopolitique du Proche et Moyen-Orient, ce qui vous a permis d'être consulté par les différentes institutions à la fois françaises et étrangères. Lors de cette interview, nous allons aborder le lien entre la Turquie et l'Iran et les potentielles conséquences de leurs relations. En quelques mots, pouvez-vous clarifier les relations entre l'Iran et la Turquie qui apparaissent très complexes au cours de la dernière décennie? L'élection de Joe Biden et la déviation de la tradition séculière turque à laquelle on assiste avec un phénomène d'islamisation nationaliste pourrait-elle renforcer la coopération turco-iranienne, notamment sur les accords commerciaux et un éventuel contournement des sanctions américaines? Merci pour cette question. Les relations entre l'Iran et la Turquie sont très anciennes, largement même avant la création de l'État turc moderne à l'initiative de Mustafa Kemal Atatürk après l'éclatement de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale. Je dirais même que l'identité nationale iranienne et pour partie la conséquence des relations entre l'Iran et ce que fut la guerre à la Turquie, l'Empire ottoman. Vous savez, au début 16e siècle, fin 15e, la Perse était dirigée par des turcophones sunnites. La Turquie était dirigée par des turcophones sunnites. Et ces deux empires, l'Empire perse et l'Empire ottoman, étaient en conflit territorial, conflit d'influence, conflit de prestige. Eh bien, il fallait à un moment que l'on puisse distinguer. Eh bien, les Iraniens ont changé de religion à ce moment-là, en envoyant des délégations au Bahreïn et au Liban chercher le docteur de la loi de la religion chiite pour que l'Iran puisse avoir d'autres valeurs que celles de ses ennemis. Et donc l'Iran est devenu chiite. C'est dire à quel point la Turquie a influencé le devenir de la nation iranienne. En même temps, l'Iran a influencé le devenir de la nation turque, parce que si vous allez à Dolmabahçe, qui est le dernier palais royal à Istanbul, là où est mort d'ailleurs Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, vous allez voir que sur les murs, tout est écrit en persan. Parce qu'il fut un temps où le persan était la langue diplomatique de toute l'Asie, puisque d'Istanbul à Calcutta, on parlait le persan quand on parlait science et diplomatie. La Turquie et l'Iran ont d'ailleurs une frontière commune importante, où il n'y a aucun débat sur les frontières, puisque c'est la paix qui règne depuis plusieurs siècles maintenant. Cependant, ce sont deux empires, deux pays qui ont une vocation internationale qui dépasse largement leurs frontières. On l'a vu dernièrement avec l'irruption turque dans le conflit qui opposait l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où la Turquie a considéré que ce pays avait son mot à dire dans ce conflit qui se situe en dehors de ses frontières, dans le Caucase. Ce qui d'ailleurs pose problème pour l'Iran, parce que le Caucase est aussi l'arrière-cour de l'Iran, de l'Empire perse d'hier. D'ailleurs, les pays du Caucase faisaient partie de l'Empire perse jusqu'au début du XIXe siècle. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers des conflits régionaux de cette nature, que l'Iran et la Turquie continuent de s'opposer sur l'échiquier géopolitique international. En même temps, c'est des pays frères, c'est des pays qui ont une vocation qui dépasse largement leurs frontières, qui ont trouvé une sorte de modus operandi leur permettant de vivre concomitamment en paix. Si vous regardez par exemple la question syrienne, sur la question de l'Idlib, vous aviez la Turquie qui était opposée à la présence iranienne, soutenue par les Russes. Cependant, il y a une entente. Ça s'est réglé en Libye, mais il y a une entente. Par là, je veux dire que quand tenez des pays aussi importants comme la Turquie, comme l'Iran, quand tenez des pays aussi fondamentaux d'un point de vue devenir de la région, c'est normal de s'entendre. Ces deux pays-là ont appris à travers les siècles à s'entendre. Pensez-vous que les relations Ankara et Téhéran, formées depuis 1985, et la création de l'Organisation de coopération économique, justement, ont permis d'apporter un soutien majeur à l'Azerbaïdjan, pays membre de cette organisation dans sa guerre face à l'Arménie? Vous savez, ce qui maintenait la paix au Moyen-Orient, c'était un traité international militaire qui s'appelait le CENTO, Central Treaty Organization, qui était un accord militaire international, un peu sur le chemin de l'OTAN, qui réunissait l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Irak. Tant que ce traité-là existait, la guerre n'avait pas sa place au Moyen-Orient. Au lendemain de la révolution iranienne, ce traité-là a explosé, la guerre a eu lieu entre l'Iran et l'Irak. Eh bien, l'ECO, Economic Cooperation Organization, ça se veut une sorte de remplaçant de ce traité.
parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'échange. Et en fait, ça vise à transposer dans les échanges internationaux au sein de la région Moyen-Orient, Asie centrale, un cadre institutionnel qui se rapproche du cadre du marché commun de l'Union européenne, visant à réduire les barrières douanières, faisant en sorte à ce que les échanges de biens, équipements et marchandises et des services puissent intervenir aisément à travers les frontières. Alors, est-ce que cette organisation-là a aidé l'Azerbaïdjan dans son essor et son développement? Je ne le pense pas. Parce que, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan est une sorte de monarchie pétrolière dirigée par les membres de la même famille où les rênes du pouvoir sont hérités de père en fils depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Là, vous avez au pouvoir aujourd'hui Ilham Aliyev, dont le président de la République azérie, à Bakou, dont le père était membre du Soviet suprême à Moscou, et également président du KGB. Donc vous êtes là aujourd'hui face à un pays qui est loin d'être un pays industriel, est un pays qui est une monarchie pétrolière, dont le pétrole a été découvert au début du 19e siècle, par la famille Rothschild d'ailleurs. Donc, est-ce que l'écho a eu un impact sur l'essor économique de l'Azerbaïdjan? Je ne le pense pas. Est-ce que ça va avoir un impact? Peut-être, mais encore faut-il que des pays aussi importants que l'Iran puissent de nouveau réintégrer leur juste place dans le corps des nations et dans le système financier international. Je dirais qu'il n'y a aucune chance, aucun moyen pour qu'aucun traité régional puisse réellement démarrer tant que l'Iran se trouve ostracisé par les enjeux géopolitiques que l'on connaît aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.